Soul Soul à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du défi Amis de la Forêt. On retrouve nos amis Pi et Bonnie en charmante position, n'est-ce pas, sur le canapé, ou en tout cas sur ce qui se rapproche le plus d'un canapé chez elles. Elles ont passé donc une merveilleuse célébration de Lunasa, elles sont plutôt contentes toutes les deux. Alors je vais en profiter pendant qu'elles se cajolent mutuellement, n'est-ce pas, pour rectifier un petit quelque chose par rapport à la semaine dernière, au dernier épisode. Parce que je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit que dans les Sims, on ne pouvait pas faire de pain. Et on m'a fait remarquer en commentaire, et je l'ai vu en fait, mais vraiment le lendemain, que c'était complètement possible de le faire, qu'il y avait même une compétence pâtisserie. J'ai un de mes Sims qui l'a acquis en fait par hasard le lendemain, et voilà, je ne le savais pas. Je n'étais pas du tout au courant, parce que j'ai beau jouer aux Sims depuis un petit moment, il y a quand même pas mal de choses que je ne connais pas encore, parce que c'est un jeu très 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 dense. Et du coup, bah voilà. Donc on a tout à fait la possibilité de faire du pain, donc on peut faire encore plus RP pour Lunasa en faisant du pain. Donc ça c'est plutôt génial. Donc c'est plutôt une très bonne chose, et je pense que je le ferai pour le prochain Lunasa. Alors, autre chose, on m'a suggéré de mettre le téléphone en silencieux aussi. J'étais plutôt réticente parce que j'avais peur qu'on puisse plus être contacté et je trouvais ça dommage pour la vie sociale. Il se trouve qu'après vérification, on peut quand même nous contacter. Donc, je vais le faire. Parce qu'effectivement, je trouve que la personne a raison, c'est quand même plus sympa si on n'a pas, si on n'est pas sollicité sans arrêt par ce téléphone qui sonne. Alors, on va commencer directement par s'occuper de notre petit jardin. On n'a que les jacinthes, c'est pas bézef. On a quand même pas mal de sous parce qu'on a gagné des choses. Mais on va les garder parce qu'on va faire des choses aujourd'hui. Alors, on va aller chercher des petites grenouilles, récolter un petit peu de jacinthes. Et on va aller se pêcher un petit poisson. Alors, notre Bonnie dort tranquillement, sa gamelle est pleine. D'ailleurs, j'ai vu... oui, je voulais changer ça, parce que j'aime pas cette gamelle en fait, et j'ai vu que dans le pack, je crois que c'est le pack premier animal de compagnie, il y a celle-ci, cette petite gamelle en bois, et je la trouve super mignonne, peut-être comme ça, oui, c'est plus raccord avec ce qu'on a, donc je vais changer ça, parce que celle-ci est en bois, on dirait qu'elle est taillée dans un petit tronc d'arbre, et je trouve ça beaucoup plus joli, donc on va partir là-dessus. Oh, elle se couche dans son panier ! Oui ! Oui ! Moi je disais qu'elle se couchait jamais dans son panier, je lui en ai acheté un beau, elle s'est couchée dedans. Voilà, c'est pour ça. En fait, c'est parce que les paniers dans les Sims, ils sont moches. Alors, comme on a nos besoins qui sont relativement hauts, on pourrait en profiter qu'on a des sous, c'est pas la peine qu'on fasse le tour de l'île, on pourrait peut-être en profiter pour aller faire un petit tour. On va juste inviter Bonnie, on va inviter personne d'autre, on verra qui on rencontre. Nous voici à la cabane du pêcheur. Alors j'ai vu que dans notre inventaire on avait une capsule. On va l'ouvrir pour voir ce qu'elle contient. Alors, ah, on a plein de monde qui arrive, ça c'est bien, ils sont tous à vélo en plus, c'est rigolo. J'aime bien les voir en tenue médiévale sur des vélos avec des casques. Surtout Caius, je trouve que le casque à vélo il lui va tellement bien. C'est vraiment ce qui manquait à sa tenue, je trouve, c'est mieux. Alors vu qu'on a 2-3 sous, je me dis que ça pourrait peut-être être l'opportunité pour nous d'aller visiter un autre bâtiment qu'on n'a pas vu pour l'instant, parce que là, il n'y a personne qui... Voilà, pas grand monde qui nous intéresse fermement à la cabane du pêcheur aujourd'hui. En tout cas, les personnes que je voulais rencontrer ne sont pas là. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller découvrir un autre endroit magnifique, qui est le magasin Biblo. On va y aller avec Bonnie, puis on va emmener Fergus avec nous, puisqu'on est en train de parler avec lui, et que ce serait quand même pas très poli de notre part de le planter comme ça. Alors on va d'abord prendre quelques minutes, quelques secondes, quelques instants pour contempler cette merveille architecturale qui est le magasin Biblo, fleuron de l'architecture coloniale de l'île de Windenburg. Absolue merveille à colombage blanc. Non mais il est... Enfin voilà, c'est juste magnifique, on est d'accord. Ce bâtiment est tellement, tellement joli. Pourtant je suis pas fan des maisons blanches d'habitude, mais là je trouve que ça c'est vraiment très, 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 très beau. Alors, vu qu'on a quelques sous, j'aimerais bien qu'on s'achète quelques accessoires pour notre petit jardin. Par exemple, ça. Oh, une petite brouette, c'est trop chou. 125, allez-y. Ça aussi, c'est juste trop mignon. En plus, ça serait pas mal, ça, parce qu'on pourrait dire qu'on s'en sert pour arroser nos plantes. Donc, on va prendre ça. Oh, carotte, salut. On va prendre ça aussi. Parce que, voilà, c'est des petits arrosoirs, les petits trucs comme ça. Oh, c'est ma gratte gousse d'ail.
C'est une des sorcières de l'encre du disque monde de Terry Pratchett. Oui, on fait plein d'achats. On craque notre slip aujourd'hui. Oh, les petits pots, c'est tellement kiki, on va prendre ça aussi, c'est trop chaud. C'est aussi trop mignon, on va prendre ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour les petites. Ça aussi, cet évier, il est juste super pour un évier de jardin. Je le trouve magnifique. Bon, il y a plein de petites décos vraiment chouettes. Non. On va freiner parce que j'ai quand même d'autres projets pour aujourd'hui. Et je voudrais bien les mettre en réalisation. On va quand même regarder dedans s'il y a des petites choses qui peuvent nous intéresser. Viens par la choupinette. On va plutôt faire aller ici ensemble. Comme ça, Fergus viendra avec nous et Bonnie aussi. Ah oui, je voulais m'acheter ça. Des petites casseroles pour notre petite tambouille à côté du feu de camp. Je trouvais ça plutôt sympa. Bon, le reste, c'est des meubles. Comme on n'a pas encore de structure, je trouve ça moyen de s'acheter des meubles. Ah, si, il y a cette lampe que je trouvais bien pour l'extérieur. Donc, on va s'acheter ça. Et le reste, je pense que ça attendra qu'on ait une structure fermée. Parce que du coup, je trouve que vu qu'il pleut souvent, n'est-ce pas, ce serait quand même dommage de laisser tous nos objets prendre la pluie. Donc voilà, on a fait des dépenses, hein. On a fait des dépenses plutôt fortes, n'est-ce pas? Plutôt intenses. Oh, il y a les rideaux qui sont magnifiques aussi. On va parler à Magrat, tiens. On va faire connaissance avec elle parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les annales du Disque Monde de Terry Pratchett. C'est la sorcière un peu New Age, vous savez, un peu à la mode, qui essaye de coller à l'image de la sorcière parfaite et qui en réalité se plante complètement. Bon, on va rentrer à la maison et on va commencer un petit peu à construire. J'aimerais bien qu'on construise une première ébauche de structure aujourd'hui. Alors, avant de placer nos objets, je vais profiter du fait qu'elles sont hors du terrain et on va se mettre à construire un petit peu. Alors, j'ai une idée assez précise de ce que je veux pour la maison. Je sais très bien à quoi elle va ressembler à la fin. Alors, même si je sais que, étant très indécise moi-même, c'est possible que ça change. Mais je voudrais qu'on commence par établir une petite structure qui ne sera pas la maison, mais qui nous permettra en fait de nous mettre à l'abri et de nous dire que voilà, on va commencer à faire quelque chose d'un peu à l'abri. Donc, vous allez voir que ça va être très très vilain au départ. Mais j'ai vraiment envie de quelque chose de progressif. Donc on va construire un petit bloc d'abord. Je suis obligée de passer par là, vous allez voir pourquoi. Mais en fait tout ça, ça ne va pas rester. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de mur à la fin. Alors, je vais faire une structure, oui, haute maximum. Je vais mettre des piliers en bois. En bois, comme ça. Je vais en mettre 4. Parce que je voudrais en fait commencer par construire en fait juste la charpente de la maison. Parce que quand on commence à construire une maison, on commence pas par les murs, surtout une maison en bois. On commence par en fait mettre toutes ces petites choses qui vont nous permettre de soutenir la maison. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est les corbeaux. Je vais juste mettre le toit pour l'instant. Donc le toit, on va le retoucher, hein. Pour l'instant, je fais juste ça. Ne paniquez pas, ça va pas rester comme ça. On va retoucher ça. Mais on va commencer par enlever les murs. Donc on va enlever nos 4 murs. Et vous voyez, nos piliers restent. Et ça, magie, magie. Et normalement, le toit est resté aussi. Voilà. Alors, je vais pouvoir mettre mes fameux corbeaux qui vont en fait aider à donner une image de charpente. Alors, je pense que c'est ceux-là qui iront le mieux avec mes piliers. Ouais. Donc, je vais en mettre en fait absolument partout. Et ça va permettre de donner un petit détail. Alors, ça sert à rien, je suis d'accord. Et je l'enlèverai en fait quand je construirai la maison. Donc, vous allez me dire, mais tu gaspilles de l'argent. Oui, peut-être, mais c'est pour que ce soit réaliste, pour que ce soit plus esthétique. Dans mon sens de l'esthétique à moi. Donc, vous voyez, on a l'impression un peu que ça soutient le toit. Alors, moi, j'aime bien les toits un peu pointus. Si on le pousse à fond, c'est. Non, c'était un peu trop. On est d'accord. C'était un petit peu too much. Même la caméra, elle n'en peut plus, du coup. On va faire quelque chose comme ça. J'aime bien retoucher les toits. Donc, là, vous voyez, j'ai fait apparaître des petits poussoirs en plus en appuyant en fait sur Maj, sur la touche majuscule et sur la lettre C. Ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus précis.
peut-être le lever encore un petit poil. Est-ce que je le baisse? Je suis perplexe, je ne sais pas. Pour l'instant, non. On verra après. Je vais d'abord mettre le revêtement. Alors, le revêtement, je voulais mettre du chaume, forcément. Je vais mettre un chaume assez foncé. Il est vraiment orange. Ouais, c'est mieux, hein. Parce que il fait noir, c'est marrant, hein, les couleurs sont pas du tout les mêmes. Ouais, c'est mieux quand même. Et on va mettre une bordure en chaume aussi. Fine ou épaisse? Fine peut-être. On va la mettre assortie. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal comme ça. Ça fait pas mal chaumière. J'aime bien. Allez, on va partir là-dessus. Et on va aussi peindre ça. Enfin, peindre. Mettre du bois à la place. On va mettre celui-là parce qu'il fait un peu délabré. Alors, je ne vais pas mettre une teinte trop foncée parce que contrairement à ce qu'on pense, souvent le bois brut... Oh, c'est beaucoup trop sombre. Le bois brut, c'est pas foncé. Le bois brut, c'est plutôt de cette teinte-là, en fait. Donc, on va peut-être partir... Il n'y a pas une teinte super... super raccord avec mes piliers. Je trouve ça un peu dommage. On va partir là-dessus. Bon, c'est pas très joli. C'est pas exceptionnel. Mais bon, ça nous donne quand même un petit abri. Une première ébauche, on va dire. Alors, je voulais voir si... ce que je mets en dessous. Donc, j'aurais aimé, moi, dans l'idéal, en fait, y mettre le feu. Enfin, mettre le feu dessous, pas mettre le feu à la structure, on est d'accord? Pour pouvoir manger à l'abri. Donc, je vais rester à cet étage-là. Parce que l'idée, c'était justement de pouvoir contrer ce problème que j'ai rencontré, justement, avec le parapluie. Vous savez qu'elle ouvre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, son parapluie, quand il pleut, et que du coup, elle ne peut plus manger. Donc ça, on va le mettre là. On va déplacer ce petit bazar là aussi pour faire un peu d'éclairage. Le bois, on va peut-être le mettre par là. Ouais, voilà, par là, c'est pas mal. Ouais, là, j'aime bien. C'est pas mal. Le reste, on va le laisser là-bas pour garnir un petit peu le coin vers la tente. Par contre, alors, je sais pas si c'est dans mon inventaire. Non, c'est dans l'inventaire de la maison. Donc ça, c'est super. Tout n'est pas dans l'inventaire de la maison parce que j'avais pas acheté des casseroles. C'est dans l'inventaire de Pi. C'est peut-être dans l'inventaire de Pi parce que je voulais absolument mettre mes casseroles. Où sont mes casseroles? J'ai pas acheté les casseroles, en fait. J'ai oublié les casseroles. Bon, bah, faudrait qu'on y retourne, on n'a pas le choix. J'ai oublié les casseroles. Voilà. Bon, bah, j'ai oublié les casseroles. Ce sera le fail du jour. Elle a oublié les casseroles. Voilà. Bon, ça fait rien. On va en profiter pour pimper un petit peu notre bout de jardin, notre coin jardin. Quoique ça m'embête de le laisser là parce qu'en fait, ça, c'est alimentaire. Donc ça, on va le mettre là. Ça va garnir un petit peu notre coin. Ouais, tout ça, c'est de l'alimentaire. Donc ça me gêne de le mettre là-bas. On va le mettre par là. Le petit sac là et le petit pot à épices ben devant là, comme ça. Ouais, comme ça c'est pas mal. Voilà, comme ça, ça nous fait notre petit coin repas ici et ça va nous dissocier un petit peu de notre coin jardin là-bas. Donc on va se mettre une petite brouette pour transporter nos affaires. On va mettre, alors ça, ce petit ensemble, j'adore, vous voyez, c'est un petit arrosoir. C'est tout ce que les Sims en fait utilisent quand ils jardinent, c'est-à-dire on a l'arrosoir ici. Ça, c'est le spray qu'on utilise contre les insectes. Et le petit zigouigoui, là, c'est ce qu'on utilise pour fertiliser. Donc, en fait, je trouve ça super sympa. Mais ça tient dans la brouette, c'est juste génial! Mais oui! Mais on fait ça? Oh, c'est super! Quoi qu'on le voit moins bien. Est-ce qu'on est par terre, du coup? Ah, c'est dommage parce que je trouve ça super joli. Non, en fait, je vais laisser par terre. On va mettre notre petite fontaine par là. Pourquoi pas? Et nos petits pots, on va les mettre eh ben, autour de la brouette pour dire que c'est l'endroit où on jardine. Et on va mettre une petite lampe là. Vous voyez comme il est mignon notre coin jardin? Comme tout de suite, c'est plus sympa. Je vais juste déplacer la poubelle parce que du coup, je trouve que c'est pas très joli si ça se met là. Et peut-être, pourquoi pas mettre un petit bout de fleur? Oh, non, je vais plutôt en racheter en fait. Je vais plutôt en racheter. Alors, est-ce que je rachète celle-ci? J'aime bien celle-là. Allez, on va mettre celle-là. Voilà. Voilà. Là, on a un petit coin de jardin qui commence à être sympa. Et on n'oublie pas que dans les encenseleuses, on nous dit toujours de garder un buisson de lavande à la porte du jardin. On va donc obéir. Et on va mettre un buisson de lavande à la porte du jardin, aussi à la porte à notre jardin. Ça fait rien. Mais l'idée est là. Vous voyez comme ça commence à prendre forme. C'est trop joli. Mais quel dommage que j'ai pas eu ma casserole. Je suis tellement déçue. Je suis tellement déçue. Bon, ça ne fait rien.
Ça va être un crash test. On va voir si ça fonctionne et si on peut manger dessous. Donc on va lui laisser faire un petit pipi et comme elle commence à avoir faim, on va en profiter et on va voir si on peut cuisiner là-dessous sans foutre le feu en fait à notre structure. Donc on va sauvegarder hein, pour être sûr, n'est-ce pas? Et on va voir si ça fonctionne et si on peut allumer le feu tel Johnny sans décéder tel Johnny. Voilà. Bon, déjà, elle explose, mais ça, elle le fait tout le temps, donc ça ne change pas grand-chose au quotidien, on va dire. Alors, on va essayer de se faire griller un petit poisson. Un faire griller, poisson grillé, allons-y. Et là, le suspense est insoutenable, les amis. Voyons voir si notre mort est pour aujourd'hui ou pas. Les amis, c'est un succès! On a réussi à cuisiner sous notre structure sans mettre le feu. Bon, heureusement, c'est assez haut, je l'ai fait exprès. Après, quand la maison sera là, la maison sera beaucoup plus basse parce que j'aime pas les murs trop hauts, à part peut-être dans les étages, quand on met pour mettre des grandes fenêtres, des choses comme ça. Mais sinon, je suis pas fan des maisons avec des murs très hauts. Je me sens pas très bien à l'intérieur. J'aime mieux les maisons un peu cosy et j'aime mieux les maisons avec des plafonds bas. Un petit peu comme les cottages anglais, vous savez. Je trouve que ça fait plus cocon, ça fait plus petit coin. Regardez le soir comme c'est joli avec notre éclairage, mais c'est super sympa. Oh, vous savez, un truc qui aurait pu être sympa, c'est de mettre des rideaux. Ça aurait pu être super chouette. On aurait pu imaginer, on va aller changer la litière et aller se coucher. On aurait presque pu imaginer qu'on avait acheté des rideaux au magasin Bibelot. Je ne vais pas les mettre aujourd'hui. Je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez. Et si vous pensez que ça pourrait être sympa, en fait, qu'on mette, alors peut-être pas sur les quatre pans, mais peut-être sur deux pans. Vous voyez les deux pans qui sont ici et là. Pourquoi pas mettre des rideaux, en fait, pour dire qu'on commence une structure provisoire et qu'on essaye de se cacher un petit peu au regard. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Les amis, je crois qu'on a bien fait de construire notre structure parce qu'il pleut pour changer un petit peu. Voilà, c'est fini, les beaux jours, youpi. Ah, c'est désespérant, franchement, c'est horrible. Bon ben du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pas avoir besoin d'arroser nos plantes. On va tout vendre pour se faire un petit peu de sous, même si on n'en a pas beaucoup besoin. Bon, eh bien, qu'est-ce que ça nous prédit? Forte pluie et orage. C'est super, ça va être cool. Génial. Bon, bah je pense qu'on va passer la journée à essayer de se protéger de la pluie. Alors comme je suis frustrée pour cette histoire de casserole. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'il pleut et que du coup, ben, c'est pas très agréable, on va en profiter pour aller faire un petit tour au magasin Bibelot, pardon, et pour acheter nos casseroles. Alors, j'espère qu'elles y sont. Si ça se trouve, en fait, je me les suis fait barboter, c'est possible, hein, que quelqu'un me les ait pris sous le nez, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est, ça, en fait? Qu'est-ce que j'ai mis? Parce que j'ai mis des trucs, je me rappelle. Oh, c'est un canard! Mais oui, mais c'est trop génial. Je sais que j'achèterai un canard un jour, je le sais. Parce que je collectionne les canards, si ça peut vous rappeler quelque chose. Si vous connaissez le Travomide, vous savez de quoi je parle. Elles sont plus là, mes casseroles? Non, si! Si, je veux mes casseroles, je veux mes casseroles, donnez-moi mes casseroles! Bon sang! Pas possible, ça. Prends ton temps, pire, pour acheter tes casseroles. Ah, mais c'est que je peux pas acheter les casseroles! Pourquoi? Alors, peut-être les autres, là-bas? Acheter l'objet. Mais quelqu'un l'a déjà acheté celui-là? Non, c'est moi qui ai acheté la lampe, c'est vrai. Moi, je vais peut-être acheter des casseroles. Non plus! Mais fan! Pourquoi pas? J'aurais pas mes casseroles. Bon, ce qu'on va faire, on va passer par le mode achat. Tant pis. Parce que là, c'est vraiment. Ce serait dommage en fait de perdre du temps à faire des triches, à faire des choses en off. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, je trouve ça un petit peu ballot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on les a achetés ici et qu'on va les acheter en off. Je veux mes casseroles. Je veux mes casseroles. J'y tiens à mes casseroles. Alors tant pis, on les aura pas vraiment achetées au magasin Bibelot, mais je m'en fous. J'aurai mes casseroles. Je sais que c'est idiot de faire une fixette sur des casseroles, mais je veux mes casseroles. Alors ça vient du pack, je crois. Je crois que c'est Destination Nature. Je crois, il me semble. Je pense que c'est ça. Oui! Elles sont là, regardez mes casseroles chérie. Je sais, ça a l'air de rien, mais je trouve ça tellement mieux d'avoir, voilà, de se dire, on a du petit matériel, on a des choses, on fait des choses un peu correctement. Je trouve ça génial. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc aussi, pendant qu'on y est.
on va se faire une petite trichette. Bon, c'est pas vraiment de la triche, mais c'est en fait pour nous permettre d'acheter des choses que normalement on ne devrait pas avoir. Alors si vous tapez Show Live Edit Objects dans votre barre de code, normalement vous allez faire apparaître en fait tout ce que le jeu utilise pour construire ces emplacements, ces endroits, et que normalement vous n'avez pas le droit d'avoir en fait. Il faut aussi taper, excusez-moi, bb.show hidden objects. Voilà, comme ça on est sûr d'avoir tous les objets. Là, vous allez ensuite aller dans la barre et vous allez taper débogage. Voilà, vous avez ici. Alors, vous avez donc tous les objets auxquels vous avez accès normalement. Là, j'ai pris le pack, par exemple, Destination Nature, parce que c'est celui qui m'intéresse le plus pour ce que je fais, vu que je construis une cabane, n'est-ce pas? Mais vous voyez, vous avez en fait tout ce que le jeu utilise. Là, ce sont les insectes, par exemple, qu'on peut attraper à Granite Falls. Là, ce sont les poissons. Et vous allez avoir aussi, vous voyez, les choses qui sont utilisées pour l'architecture et pour la décoration des lieux. Vous allez avoir aussi les végétaux, vous allez avoir les arbres, vous allez avoir les guimauves, par exemple, si vous voulez manger des guimauves. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est des petits bouts de bois et des choses qui vont nous permettre de donner l'impression que notre maison est en travaux. Alors, je ne sais plus si c'était dans ce pack-là. Alors, il y avait ça déjà. Donc ça, c'est des brindilles, vous voyez, ça ressemble à rien. Mais on peut par exemple imaginer les grandir. Et ça peut nous servir de petits dépôts, vous voyez, un peu sauvage ici, même chose avec des petites bûches. Pareil pour des petites bûches, on peut en mettre une ou deux, vous voyez. On peut varier les tailles aussi. On peut varier la disposition. Voilà, je vais les entrecroiser un petit peu comme ça. Voilà. Je vais en mettre trois parce que je déteste, vous le savez, les nombres pairs. Ça me gonfle, donc on va faire un truc comme ça. Voilà. Donc pour dire, voilà, ça va être un petit peu nos matériaux de construction pour la maison. Et on peut même se mettre quelques petits piliers comme ça. Parce que ça, je vous dis les amis, ça je vais en utiliser à outrance. On va en mettre de plusieurs couleurs différentes. Voilà. Ça, ce sera nos matériaux de construction. On est d'accord que c'est très laid? Oui, je sais. C'est très moche. Mais ça va nous permettre un petit peu d'avoir nos petites choses au départ. Même chose dans le jeu de base, je crois qu'il y avait des choses très intéressantes, me semble-t-il. Vous savez, c'est les choses en fait qu'on obtient quand on n'arrive pas à construire quelque chose avec l'établi d'ébéniste, je crois. Voilà, ça. Vous voyez? Ça là. Ça, alors ça a l'air de rien. Mais c'est ce qu'on obtient en fait quand on rate un meuble ou une sculpture. Vous voyez, nos sculptures, toutes nos sculptures sont là. Et c'est ce qu'on loupe en fait. Et ça, je trouve ça génial parce que ça va nous permettre, voilà, de faire un petit coin un peu débarras. Donc je les agrandis en appuyant, vous savez, sur les touches parenthèse fermée et accent circonflexe. Voilà. Et on doit avoir la même chose avec les meubles. Voilà, c'est ça. Vous voyez, œuvre en bois en cours. Ça, c'est super, parce qu'ils sont un peu plus gros. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, on va s'en prendre deux petits qu'on va entasser, voilà, par là. Vous voyez, on va faire notre petit coin vraiment, vraiment bordel. Donc, ça, c'est un peu, ça rappelle un petit peu les piliers qu'on a. Et donc, là, on a tout notre petit coin. Ça, on va le pousser. On va le mettre par là, parce que quand même, j'aimerais qu'on garde un jardin. Voilà, un petit peu plus propre. Donc là, on va avoir tout notre petit coin bazar de construction. Ça, il faut vraiment pas. Vous voyez, encore, il y en a encore là des échecs d'ébénisterie. Vous voyez, on va en mettre plein. On va tous les prendre. Voilà, des petits blocs. Comme ça, il y en a des tout petits, il y en a des plus gros. Donc, il ne faut pas que vous hésitiez vraiment à aller fouiller dans ce genre de menu parce qu'il y a vraiment des choses super chouettes. Vous voyez, vous avez tout le matériel, l'arrosoir, ce dont je vous parlais, en fait, qui fait partie de ce pack-là, mais vous pouvez les avoir un par un en fait. Vous pouvez même avoir des sacs poubelles. En fait, vous avez tout ce que le jeu génère et
qui ne reste pas ou qui fait partie des espaces communautaires et que vous ne pouvez pas avoir, mais c'est pas des CC en fait, ce sont des choses qui sont dans le jeu, qui en font partie, et du coup que vous pouvez réemployer et réutiliser pour vous. Donc c'est vraiment dommage de s'en priver parce que ça peut permettre de faire des constructions très originales et de faire des décos qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Vous voyez les planches en bois, ça c'est parfait parce qu'elles sont couchées. Et ça, dans le jeu, on peut pas en avoir. Vous voyez, on va en mettre quelques-unes. Vous voyez, voilà, regardez, du bois brisé. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce dont on a besoin. Et celui-là, comme il est un peu grand, on peut même le mettre par là pour dire qu'on est en train... Voilà, on est en train de construire notre maison. Bon, ça, ils sont de la même taille. Là, ça, c'est super. Vous voyez, tout de suite, comme ça donne vraiment l'impression qu'on est en train de construire quelque chose et qu'on est en train... Vous voyez, on a même des petites pancartes super sympas. Elle est trop chouette, celle-ci. C'est des pancartes de fruits et légumes. Vous voyez, on a tout de suite des choses qui vont donner une illusion de vie et de réalisme. Et ça, c'est vraiment chouette. Et ça coûte quasiment... Bah, ça coûte souvent rien. Mais souvent, c'est des choses qui coûtent pas grand-chose. Donc voilà notre petit campement en cours de construction. Là, qui commence vraiment à ressembler à un campement en cours de construction. Donc c'est plutôt sympa. Alors, j'inviterais bien quelqu'un à manger avec nous. Qui est-ce qu'on pourrait inviter? Ah oui, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit à proximité. D'accord, et bien on va inviter sur le terrain alors. Alors, on va inviter sur le terrain actuel. Bon, on va inviter Fergus, bien sûr. Puisque c'est notre ami, puis j'aimerais bien qu'on invite Magrat aussi. Alors là, j'espère que ça va être le crash test aussi. On va voir si elle range enfin son parapluie et si elle peut manger. Sans ouvrir, sans arrêt son parapluie. Alors on va inviter à traîner Fergus. Voilà, pour qu'il reste un peu avec nous. Et on va faire griller notre petit poisson. Voilà. Oh, il se réchauffe, vous voyez, il a eu froid avec la pluie. Ils sont trop mignons. Ah, voilà Magrat sur son balai. On va l'inviter à traîner aussi. Et bah, elle vient toute seule, elle vient d'elle-même. Parfait. J'ai l'impression que ça fonctionne. Qu'il pleut. Et qu'on peut manger à l'abri. Je crois qu'on a résolu une partie de notre problème. Parce que là, vous voyez, elle le pose pour parler. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'action reste disponible là. Ce qui veut donc dire qu'elle ne l'a pas annulée. Alors que l'autre fois, notre action était indisponible. On va accélérer un petit peu le temps. Vous voyez, elle reprend l'action. Bon, elle s'interrompt à chaque fois qu'elle parle parce qu'elle a un cerveau masculin et qu'elle ne peut pas faire deux choses en même temps, visiblement. Mais voilà, vous voyez. Et vous voyez, elle mange. C'est bon, ça a marché. Donc, notre idée de construire un abri comme ça a fonctionné et on n'est pas obligé de passer par une structure fermée. Et ça, c'est ce que je voulais pas. Je voulais pas commencer tout de suite par une structure fermée. Je voulais vraiment que notre coin ne ressemble à rien, que ça ait vraiment l'air d'être un chantier. Je suis très contente, c'est super. Bon, sur ce, les amis, je pense qu'on va se laisser. On va profiter un petit peu de notre abri. On va aller s'asseoir à l'abri de l'eau, de la pluie. Etc, etc. Et vous voyez comme notre campement il a avancé, c'est génial, c'est génial. Vous voyez, il y a la foudre, elle a glissé dans une flaque. Je pense qu'il est temps de rentrer, la pauvre. Heureusement ça foudroie que le sol et il n'y a pas eu de dégâts matériels, je ne crois pas. Bref, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout restez magiques. Bye.